Good morning, Aleiten, et tu seras aujourd'hui l'ami Nishmat Moshe ben Sultana, Amamiona ben Chana, Piki bat Esther, Nissim ben Nahuda et Sarah bat Chana Rachel. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah pour détecter 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Avodah Zara, Perekei Mishnah Bet. Yain Nesech, Shnafal al Gabei Anavim, Yedichen vehen Mutarot. Vimayu Mevukaot, Asurot. Nafal al Gabei Teenim, O al Gabei Tmarim, Im Yesh Bahen benoten Taam, Asur. Maase bebaitos benzonin shevi grogrot basfina venishtabra chavit shal yain nesech venafal al gabehen veshaal lachachamim vehitirum. Ze haklal kol shebaanato benotentam asur kol shein baanato benotentam mutar kegon chomets shenafal al gabeh grisim. On va aborder dans cette Mishnah le sujet du yain nesech, donc le vin des goyim qu'un goy a touché, qui est interdit de boire, interdit d'en tirer profit, qui se mélange à d'autres aliments. Un sujet qui concerne, entre parenthèses, toutes les l'ilchot ta'arovet. Il y a beaucoup, lorsqu'on étudie les l'ilchot ta'arovet et bassar bechalav, les mélanges interdits d'aliments interdits, on détruit plein de l'ilchot de toutes ces sugyot de la Gemara qui sont là. On parle ici de yain neser, donc du vin de goy, shenafal al gabei anavim, qui est tombé sur des raisins. Donc il y avait un bac, un pot de raisin dans lequel s'est renversé du vin. Donc yain neser shenafal al gabei anavim yedichen ven mutarot. La Mishnah nous enseigne qu'il pourra laver les raisins et les manger. Soit, très simple pour le moment, puisque le raisin est un fruit, regardez, vimayu mevukaot, par contre si les raisins étaient fendus à sourot, alors ils seront interdits. C'est-à-dire en fait on a comme ça, lorsque le fruit du raisin il est pour le moment ferme, donc ce qui va tomber extérieurement ne pénètre pas à l'intérieur, il n'y a aucun ta'am, aucun goût qui passe à l'intérieur du raisin. De ce fait, aucun problème, on rince les raisins et on pourra les manger. Par contre, si les raisins ils sont fendus, alors maintenant, ça arrive lorsqu'ils commencent à mûrir un peu trop, ils se craquellent. Il y a, dans tout ce tournoi, ils rapportent encore, lorsque on va déduire ça d'après en fait, de la Mishnah, mais lorsqu'il n'y a plus la petite queue, par exemple, du raisin qui tombe, alors là, de par là-bas, le raisin peut rentrer dedans et de ce fait, on va craindre qu'il ait donné du goût, donc ce sera interdit. Ce sera Bechishim, comme on le précisera ensuite. D'accord ? Nafal al-gabei te'enim ou al-gabei t'marim. Si le vin est tombé sur des figues ou sur des dattes, te'enim et t'marim. Alors dans ce cas-là, la Mishnah nous dit comme ça. Im yesh bahen benoten ta'am asur. S'il y a suffisamment de vin pour donner du goût à l'intérieur des figues. C'est-à-dire que dans les figues, le vin pénètre, donc dans les figues comme dans les dattes, le vin pénètre, et dans ce cas-là, on va prendre une des figues ou une datte et la faire goûter à un goy. Et s'il va ressentir qu'il y a un goût, qu'on ressent le petit goût du vin, eh bien un juif ne pourra plus les consommer, ne pourra plus manger ces figues, parce qu'elles ont repris ce qu'on appelle du noten tam, zekibel tam, ça a reçu du goût, d'accord, du goût interdit. Donc en fait, on reprend maintenant, depuis le début de la Mishnah en fait, parce qu'il y a un petit problème. Là, la Mishnah n'a pas proposé de rincer les figues ou de rincer les dattes. Pour la simple raison qu'en général, les figues et les dattes, elles ont des ouvertures. La figue, elle a derrière un petit trou, constamment. Donc, si du vin se renverse, directement, on craint que le vin ait pénétré à l'intérieur de la figue, donc ce sera interdit. La datte aussi, elle a toujours l'endroit où le petit chapeau qui la rattache à l'arbre. En général, ça ne va jamais coller à la datte. De ce fait, le vin pénètre à l'intérieur. À la différence du raisin qui, en général, il a sa petite queue. Donc en fait, on retient comme ça. Si ça tombe sur un fruit qui est bien fermé, hermétiquement, ça ne pénètre pas à l'intérieur. Alors, on rince, aucun problème. On rince le fruit et on pourra manger le fruit. Si toutefois, le fruit il est fendu, dans ce cas-là, ça pénètre dans la chair. Alors, lorsque ça pénètre dans la chair, ça ne suffit plus de rincer, parce que vous imaginez bien que c'est humide à l'intérieur, que certes, tu as rincé, mais tu peux toujours encore, tu ressentiras toujours un endroit où il restera encore du goût. Excusez-moi. On trouvera toujours un endroit où il restera du goût. Et donc de ce fait, on n'aura plus le droit de le consommer, ce sera interdit. La quantité de vin maintenant, c'est la fameuse batel bechishim, le fameux batel bechishim, qu'on annule chaque goût, on considère, Chachamim savait, ils avaient une Kabbalah, que chaque goût qui se mélange à un aliment interdit, s'il y a 60 fois le volume permis contre 60 fois le volume de l'aliment interdit, donc une goutte de vin de yain neser qui va se mélanger dans 1 litre, l'équivalent de 60 gouttes de lait par exemple,
Alors dans ce cas-là, c'est Batel Beshishim, ça s'annule dans 60 fois son volume. Donc c'est pour ça qu'on a insisté sur ce qu'on appelle Noten Ta'am. Noten Ta'am, qui donne son goût, c'est 60 fois le volume, d'accord? C'est ce que les méchants nous enseignaient. Si en fait, donc tu avais toutes tes figues, ou toutes tes dates, et il y a eu dedans du vin de Yenesser qui sont tombés, alors, dans la mesure où on ne sait pas où est tombé exactement le vin, si à 60 fois le volume de dates contre la petite goutte de vin qui est tombée, ce sera permis. Ok? Maaseh bebaitos benzonin shevi grogrot. La Mishnah continue en nous racontant une histoire de Baitos Benzonin. C'était une personne qui vivait à l'époque, on le rencontre fréquemment dans la chasse. Quelqu'un qui était assez aisé, apparemment. Et Baitos Benzonin, donc, il avait amené des gros grottes. Il avait amené des figues sèches. Grogeret, c'est une figue sèche. C'est important pour la suite. Basfina, dans un bateau. Il est transporté dans un bateau. Donc, il avait un conteneur de figues. Et ce qui s'est passé, c'est que Benishtabra Chavit Shaliyai Neser, Benafal Al-Gabeen. Un tonneau de vin de Yain Neser, qui était transporté par un goy, qui était sur le même bateau apparemment, il s'est fendu, il s'est cassé, et tout le vin s'est renversé sur ses figues. Et il ne savait pas quoi faire, parce qu'il n'y avait pas 60 fois le volume de figues contre le vin. Il y avait assez de quoi interdire, donc. Les figues devaient devenir interdites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Veshal la chachamim veitirum. Il est parti poser la question à chachamim. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces figues? Je les jette, c'est mort. Chachamim m'ont dit, non, c'est permis. On a du mal à comprendre pourquoi. On a dit que si ça donne du goût, alors ça devient interdit, on n'aura plus le droit de les consommer. Là, si on va manger les figues, on va ressentir qu'il y a un petit goût de vin, un arrière-goût de vin. Alors pourquoi c'est interdit? La Mishnah nous enseigne, Zeh Aklal, telle est la règle. Kol shebe'anato benoten ta'am asur. Tout ce qui est un profit bénéfique pour l'aliment de recevoir ce goût. Kol shebe'anato, tout ce qui est un profit pour lui. Alors, benoten ta'am, que lorsqu'il donne son goût, alors ce sera interdit. Kol she'en ba'anato benoten ta'am, par contre, tout ce qu'il n'y a pas de profit lorsqu'il va donner du goût, au contraire, ça va donner un goût désagréable, alors ça devient permis. Kegon chometz, on finit tout de suite, après on explique un peu mieux. Kegon chometz, shenafal al gabe grisin, comme par exemple du vinaigre qui s'est renversé sur des grisines, qui sont de l'orge perlée, ou d'accord, de sorte de céréales, un plat de céréales, de grissine, donc de d'orge perlée. La Mishnah nous enseigne une grande règle qu'on tient aujourd'hui, justement. Lorsque un aliment interdit se mélange dans une casserole d'aliments permis, mais que le goût ne vient pas améliorer, perfectionner le goût initial de l'aliment permis, mais au contraire le détériorer. Par exemple, comme c'est le cas, on avait un bon plat d'orge, et on a eu du vin qui est tombé dedans. Du vinaigre. Et alors, lorsqu'on mange, on va ressentir le vinaigre. Du vinaigre interdit, c'est du vinaigre de Yenesser. Mais le problème, c'est qu'on n'apprécie pas du tout cet ajout du goût. Alors là, ça devient ce qu'on appelle un noten ta'am lifgam. Il va donner un ta'am pagoum, détérioré. Et dans ce cas-là, c'est permis de manger. Tout l'interdit du noten ta'am, l'aliment interdit, qui va donner son goût dans l'aliment permis, ne va devenir interdit que s'il améliore le goût. Il va lui rajouter un petit supplément, un petit goût plus raffiné, amélioré. Comme ce que le Barthénois rallonge longuement, on va dire rapidement les quelques sujets, les quelques cas qu'il évoque. Donc pour en revenir maintenant juste sur le Baitos Benonin avec ses figues sèches, justement, au début de la Mishnah, on avait vu que du vin qui tombe sur les figues, ça rend interdit. Dans l'histoire de Baitos Benzonin, on a eu du vin qui est tombé dans des figues sèches. Parce que justement, c'est là la différence. Lorsque ça tombe dans les figues, ça améliore le goût des figues. Ça leur donne un petit goût un petit peu plus corsé, agréable. Tandis que dans les figues sèches, le vin qui s'est renversé a détérioré le goût raffiné de la figue sèche. Et de ce fait, c'est pour ça que c'était permis, même si on ressentait le goût du vin. D'accord? Barthénois, maintenant, rallonge longuement pour nous évoquer un sujet très important, qu'est-ce qui se passe lorsque on mélange un aliment interdit, que en l'état, au contraire, il le rend désagréable le goût de l'aliment permis. Mais à la longue, il va s'avérer que c'était bénéfique. Par exemple, du miel qui se renverse dans du vin. Le miel qui se renverse dans le vin, ça fait que, dans un premier temps, le vin, il perd sa saveur. Il est moins raffiné.
Cependant, à la longue, un tel vin va faire qu'il va pas tourner au vinaigre facilement. Il va tenir beaucoup plus longtemps, il va garder son goût plus ferme. Alors c'est ce qu'on appelle trilato lifgam vesofo lishvach. Il y a aussi le cas inverse. Justement, on a évoqué le vin, le vinaigre qui se renverse dans les grissimes. Il faut savoir que le vinaigre qui se renverse dans l'orge perlée, c'est uniquement lorsque l'orge perlée est chaude. Par contre, si l'orge perlée est froide, alors le vinaigre vient améliorer le goût. Comme ça, ça va porter dans la Gemara. On ne mange pas tellement d'orge perlée à notre époque. Alors dans ce cas-là, on aura la question inverse. Quelque chose qui tombe, que pour le moment, c'est l'ishvar. Après, ça va devenir l'ifgam. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça tout ce que le partenaire allonge. Succinctement, en deux mots, tous les cas, dès qu'il y aura une seule éventualité que ce sera, que ça améliorera le goût, alors ce sera interdit à la consommation. Que ce soit l'ifgam, que ça détériore du début jusqu'à la fin, ou que ça détériore au début et pas à la fin, ou que ça détériore à la fin ou pas au début, dans tous les cas, dès que l'aliment interdit se mélangera dedans, puisqu'il y a une éventualité que ce soit, que ça améliore le goût, alors ce sera interdit à la consommation. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.